Ce matin pour glorifier le nom du Seigneur Jésus, pour qu'on baisse encore la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur Jésus? Tu peux acclamer encore plus fort Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Tu peux acclamer encore le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort? Alléluia. Tu vas saluer quelqu'un auprès de toi, tu vas lui dire reste béni au nom de Jésus.
demain béni au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es présent ce matin? Est-ce que tu es présent ce matin? Est-ce que tu es présent ce matin? Yeah, 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 yeah! Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que les tout petits, vous êtes là? Est-ce que les tout petits de l'orphelinat sont là? Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous entendez le Seigneur? Encore plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Fais du bruit, fais du bruit, fais du bruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes là, sans plus tarder, vous allez me donner un chant rapidement. Alléluia. Et le temps que le président s'apprête, notre papa président doit venir donner un message. Alléluia. Notre papa président doit nous parler. Alléluia. Comme papa prophète n'est pas là, notre papa président doit nous parler. Alléluia. Mais comme il est déjà présent, les enfants vont donner un chant. Et après ce chant, notre papa prophète va prendre, notre papa président va prendre la parole et va essayer de nous parler un peu. Alléluia. Des bienfaits, des œuvres du prophète dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les enfants, donnez un micro aux enfants. Ils vont nous donner un chant. Un chant. Oui, venez par devant les enfants. Vous êtes à l'honneur ce matin. Est-ce que les mamans, les parents peuvent acclamer le Seigneur pour les enfants de l'orphelinat? Est-ce qu'ils peuvent acclamer le Seigneur pour les enfants de l'orphelinat? Ils vont louer le Seigneur. Ils vont danser à la gloire du Seigneur ce matin. Les enfants, oui, ce sont les fruits réels du prophète Joël Crasseux. C'est les fruits de l'orphelinat du prophète Joël Crasseux. On dit, un arbre se reconnaît par ses fruits. Et voici ce qu'a produit le prophète Joël Crasseux. Vous allez écouter ces enfants qui vont chanter. Vous allez écouter ces enfants qui vont chanter. Ce sont les fruits dignes d'un homme de Dieu. Oui, ce sont là les fruits dignes d'un homme de Dieu. Oui, l'arbre se reconnaît par ses fruits. Voici ce que les enfants vont produire ce matin. Vous qui dites... Alléluia. Alléluia. Les enfants, qui chante, qui prend la parole? Oui. On va laisser les enfants, ils vont chanter et louer le Seigneur ensemble avec nous. Oui. Les parents, on va acclamer les enfants, on va aider les enfants avec les acclamations. Ce n'est pas facile, mais on va acclamer et on va les aider. On va se tenir debout et on va aider les enfants ensemble de façon à prendre. On va louer le Seigneur ensemble, tenez-vous debout. Oui. Les enfants, vous avez la parole. Vous avez là le micro, chantez. Akeko ofana na Yesu, akeko ofana na Ye, akeko ofana na Yesu, akeko ofana na Ye, akeko akeko ofana na Yesu, akeko ofana na Ye, akeko ofana na Ye, akeko ofana na Ye, charumba charumba charumba. On a fait le pas, 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 on a fait le p
vraiment pour lui, vraiment la formation de ce tout petit. Vraiment que Dieu vraiment vous bénisse, les enfants, que la grâce de Dieu soit sur vous, dans le nom puissant de Jésus. Laissons pas acclamer le Seigneur pour ce que Dieu vient de produire par ses enfants. Laissons pas acclamer plus fort le Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, on acclame encore le Seigneur. Plus fort, plus fort, plus fort. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons passer le micro à un grand homme. Alléluia. C'est notre papa. Alléluia. Quand le prophète n'est pas là, c'est lui qui veille sur nous. Alléluia. Elles sont pas acclamées le Seigneur pour papa plaisir. On va lui donner le micro et il va vraiment, oui, continuer ce moment. Alléluia. On acclame le Seigneur, c'est notre papa. Acclame le Seigneur, Dieu t'en est plus. Et acclame Jésus pour notre papa. Alors papa, il dit, c'est lui qui veille sur nous. Quand le prophète n'est pas là, c'est papa plaisir. Alléluia. Le président de la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Oui, je salue l'église ce matin. Je salue l'église. Mon cœur est dans la joie. Nous sommes dans la ferveur. Ce matin, grâce au prophète Joël Crasso, peuple de Dieu, je pense que les gens ont cité tous les titres, président de l'église, ceci, mais aussi ce que vous deviez retenir, c'est que le prophète m'a fait l'honneur, n'est-ce pas, de me nommer le général. Je suis le seul général. Alléluia, ne t'es pas acclamé le Seigneur, ne t'es pas acclamé Jésus, ne t'es pas acclamé Jésus, il est le général. Alléluia, c'est la brigade du sorcier, ne t'es pas acclamé pour toi le Seigneur Jésus. Général. Alléluia. Et ça, c'est à l'endroit de nos frères d'Europe, de France surtout. Je suis le seul général de la brigade anti-sorcier avec 15 étoiles. Alléluia! Oui, en effet, le peuple de Dieu, très chers frères et fils spirituels du prophète Joël Crasso, il fallait détendre un peu l'atmosphère pour dire que, en tant que président de l'église, cette église qui a pris corps depuis 2015, c'est une charge. Oui, une charge. Et quand on a une charge comme celle-là, surtout la charge de l'église, on ne se réjouit pas. C'est un poids. Je vous disais tantôt, dans mes interventions précédentes, n'est-ce pas, les jours passés, que le prophète Joël Crasso gère une vie, parce que les relations entre Dieu et lui sont tellement difficiles. Parce que je sais, quand j'étais petit, c'est aujourd'hui que je comprends certaines explications. Quand nos mamans, j'étais à l'église Ariste, chantaient en Dida, la Golgolité, c'est-à-dire, l'œuvre du Seigneur est très difficile. Mais quand vous n'avez pas approché un homme de Dieu et que vous n'êtes pas bien découvert, n'est-ce pas, dans la foi, ce que c'est que Dieu, vous croyez que suivre Dieu, c'est de l'amusement. Et c'est en cela que je trouvais, la fois dernière, le témoignage que je rendais sur le prophète Joël Crasso, c'est en cela que je disais que le prophète Joël Crasso vit une vie très, très, très difficile et très délicate. Moi, il me charge de diriger une église. Imaginez un seul instant. Un homme comme moi, diriger une église, c'est quel gageur. En effet, je pense que c'est une leçon donnée à tout le monde. Parce que si moi, il me met responsable d'une église, ça veut dire tout le monde peut être responsable d'une église. Mais en même temps que vous devenez responsable d'une église, c'est une responsabilité à vous dire que vous deviez forcément vous mettre en connexion avec Dieu. Et c'est cela la leçon à retenir. Autrement dit, ce n'est pas un titre pompeux qu'on me donne pour que je reste là chaque jour, peut-être en train de changer les pailles. Non. Mais c'est surtout une charge. L'église de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. Et je vous le dis encore une fois de plus, parce que je l'ai déjà dit, Dieu a dit de le craindre. Donc on craint Dieu. Donc quand on te confie une responsabilité comme ça, ce n'est pas de l'amusement. En effet, le témoignage que nous rendons, nous les avons rendus depuis le début de l'année, sous plusieurs plans, à l'endroit de notre guide spirituel, le prophète Joël Crasso, et par notre maître, celui-là même qui nous a permis de savoir que Dieu, c'est Dieu, que Dieu, c'est une réalité. Aujourd'hui, nous sommes à l'église, et c'est avec joie. Et ce matin,
je ne vais pas continuer mon témoignage sans encore une fois de plus rendre gloire à Dieu. Parce que ce matin, effectivement, il faut le dire honnêtement, je viens de sortir d'une situation et avant même de venir à l'église, je me suis rendu à l'hôpital. J'ai ma fille qui a, je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui devait faire une couche. Et quand je suis arrivé, les informations qu'on m'a données m'ont mis dans une situation, je pense que c'est à Dieu seul que je peux confier cela. Mais c'était très grave. Et ça aurait pu être le pire si Dieu ne m'assistait pas. Parce que c'était sur moi que tout allait lui tomber. Tout ce qui était dépenses et conséquences. Je suis allé. L'essentiel est que ma fille ait retrouvé la vie et que les choses se soient passées. Pas encore bien, mais néanmoins, il fallait que je me précipite pour venir à l'église. J'en profite en même temps parce que le prophète la connaît bien, c'est ma fille Ashley. Voilà, et le prophète sait de qui je parle. Malheureusement, elle a fait une fausse couche. Je remets le tout entre les mains de Dieu. Je rends gloire à Dieu parce qu'elle n'a pas trouvé la mort. Dieu saura comment compenser cela. Et je commence par là parce que je ne peux pas rendre mon témoignage sans parler de ça. Maintenant, s'agissant, effectivement, Jésus est puissant, Dieu est puissant, et il faut lui rendre gloire. Maintenant, s'agissant de notre église, je le dis, effectivement, si nous voulons compter depuis 2015 à maintenant, ça fait 4 ans, grâce au prophète Crasso, effectivement, nous nous retrouvons, il a posé des actes dans ma région d'Ivo, des actes que nous voulons amplifier, tout le monde est là. Vous voyez aujourd'hui encore ce témoignage que je viens de rendre, tout à l'heure, c'est vrai, je ferai l'offrande conséquente, mais c'est dire que nous devions grandir. Nous sommes effectivement peut-être au stade, il y a eu des bébés spirituels. Actuellement, nous sommes au stade peut-être d'adolescence. Il faut que nous grandissons dans l'œuvre de Dieu. Et il faut que nous raffermissons cette œuvre-là. Donc ce matin, nous sommes là. Nous remercions une fois de plus l'homme de Dieu pour ce qu'il a fait. Aujourd'hui, ce joyau, cette église dans laquelle nous nous retrouvons, c'est son œuvre. Nous avons des enfants qui sont arrivés. Je pense que nous allons faire une suite de témoignages qui vont édifier nos frères de là-bas, parce que celui qui fait une église, n'est-ce pas, il y a des gens qui font des réalisations, ils laissent des institutions à leurs enfants, ils laissent des sociétés, etc., pour la survie de leur progéniture. Mais quand tu fais une œuvre de Dieu, c'est-à-dire quand tu implantes une église dans laquelle tu convertis, n'est-ce pas, des gens, et dans cette église où des gens sont convaincus qu'ils sont en connexion avec Dieu, je pense que c'est l'œuvre la plus utile du monde. C'est l'œuvre la plus élevée du monde, une église. Et ce matin, nous sommes dans cette église, la première église, n'est-ce pas, implantée par notre prophète, le maréchal, mon patron, dans la hiérarchie du combat. Cette église implantée par le maréchal, sa toute première église, nous avons l'honneur de l'abriter ici à Divo, notre centre. C'est nous ici à Divo, disons, qui avons gagné parce que c'est ici que le prophète a implanté cette première église. Et je vous demande d'applaudir encore une fois de plus notre région. Oui, c'est de Divo que partira, ou plutôt c'est de Divo que part la trompette qui annonce au monde entier la bonne nouvelle. Oui. Et cela doit être notre fierté. Parce que c'est à partir de Divo que le prophète part prendre l'avion pour aller dans le monde entier. Alléluia. Pour ceux qui savent comment les gens lancent les navettes spatiales, c'est-à-dire les navettes, les futurs à Divo. Et il faudrait que vous le sachiez. Et il faut que ça renforce notre conviction, notre foi, à travers l'œuvre du prophète. Parce que c'est à partir d'ici. Et cette année, effectivement, c'est normal que l'Église lance son témoignage. Il faudrait que tout ce qui est organisation au sein de l'Église, je veux parler de l'organisation spirituelle et divine, les jeunes, tout ce qui est organisation pour soutenir l'action divine, l'action de purification de ce centre, etc., la confiance, mais surtout l'engouement, il faudrait que ça se multiplie. C'est mon souhait. Et tous les témoignages qui seront rendus après moi, vous savez, chaque jour, c'est mon lot quotidien, je le fais. Mais il faudrait que chacun dise sincèrement ce que le prophète a apporté de nouveau dans sa vie
Et Dieu seul sait. Parce qu'il y a des chansons zouglou, n'est-ce pas populaires, qui disent c'est l'homme qui fait l'homme. Mais je pense que l'homme fait l'homme, mais s'agissant du prophète Joël Crasso, à travers lui, c'est Dieu qui nous fait. C'est Dieu qui nous fait. Donc le prophète Joël Crasso utilise Dieu pour faire les hommes que nous sommes. Et c'est en cela que je voudrais arrêter mes propos. Nous sommes nombreux à intervenir ce matin dans ce direct. Généralement, c'est des directs qui viennent de l'Occident, c'est-à-dire de France. Mais ce matin, c'est nous qui leur donnons nos directs pour leur dire que l'Église, le centre de lancement de la puissance que constitue le prophète Joël Crasso, part de cette région de Divo, plus précisément ici au centre Péniel. Je vous remercie. Elles sont pas capables plus fort le Seigneur. Elles sont pas capables plus fort le Seigneur Jésus. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, nous allons aussi donner le micro. C'est une série de témoignages. Alléluia. Dis à quelqu'un, série de témoignages. Série de témoignages. Ici, c'est un lieu de témoignages. Alléluia. C'est un lieu où Dieu fait des merveilles. Alléluia. C'est un lieu où Dieu fait des grands signes. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons laisser la place à l'ancien Léopold Kwame. Quand je demande d'acclamer encore très très fort ce matin, acclamer l'homme de Dieu. Acclame le Seigneur pour son serviteur. Acclame plus fort, plus fort, plus fort. Alléluia. Gloire à Jésus. Moi, c'est l'ancien Kwame. Il faut dire que ça fait 3 ans que je suis aux côtés du prophète. Et j'étais dans une église quelque part, où moi-même je suis appelé. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu m'a dit d'aller vers ce monsieur pour accroître encore mon champ de connaissance. Ce que je connaissais déjà, il allait encore les accroître, il allait encore me donner un plus. Il faut comprendre quelque chose. Un homme de Dieu est caractérisé par 3 grands éléments. D'abord, 1, le social. 2, sa connexion avec Dieu, comment Dieu l'utilise. 3, son enseignement. Et tout ça, on retrouve, je retrouve ça au prophète Joël Crasso. Quand on parle de social, il a ouvert un orphelinat où il y a plus de 2000 pensionnaires et plus de 200 pensionnaires. Il y a d'autres qui sont internes et puis d'autres sont externes qui suivent. On a aussi, il s'occupe encore de plus de 100 veuves. 100 veuves. C'est-à-dire des femmes qui ont perdu leur mari. Pendant les fêtes de Noël, il va encore récompenser, il va encore donner des cadeaux à des enfants démunis dans des quartiers précaires de la ville de Divo. Sans compter les enfants, prendre en compte l'ethnie et puis la confession, la religion. On a plein de musulmans, plein d'athéistes qui suivent, à qui ont reçu des cadeaux. Alors moi je crois que quelque part, le social, il faut bénir cette personne-là. Il a besoin de soutien, il a besoin qu'on lui apporte vraiment toute une aide afin de continuer dans cette lancée-là. Quand vous prenez aussi, je disais, l'œuvre, la connexion avec l'œuvre. Regardez un peu ce qu'il fait. Grâce à lui, des gens vont au village. Grâce à lui, ceux qui ont perdu, ceux qui ont perdu le goût, ceux qui ne veulent plus dire bonjour à leur papa et à leur maman, grâce à lui, aujourd'hui, ceux-là le font. C'est-à-dire, ils ont 100 crêpes. Ils rentrent au village, ils ressortent quand ils veulent. Toutes les difficultés qu'ils ont, ils retrouvent la délivrance ici. Regardez un peu. Quelqu'un qui prophétise dans votre vie, et puis ça se réalise. C'est ce qu'on appelle un prophète. C'est ce qu'on appelle un homme de Dieu. C'est ce qu'on appelle un homme de Dieu. Celui qui, tout est connecté à lui. Quand il vous dit ça, poussé par l'Esprit de Dieu, la réalisation est là. Vous voyez toutes les solutions. C'est ce qu'on appelle un homme de Dieu. 3, je parlais de l'enseignement. Je sors d'une école théologique et le même enseignement qu'il donne ici, c'est le même. Et il fait encore un plus. Il donne encore plus de secrets. Aujourd'hui, je suis, la société n'a pas de secrets pour moi. Ben, je sais comment combattre, je sais comment lutter, je sais qui est sorcier. La société n'a pas de secrets pour moi aujourd'hui, grâce à ce prophète-là. Donc je crois qu'il est vraiment à encourager, il est vraiment encadré. Je veux dire aux gens, toute personne a un passé. Quand vous prenez les grands hommes de la Bible, ils avaient un passé. Mais quand ils se sont connectés à Dieu, ils ont suivi Jésus-Christ, ils ont pris la vision de Dieu. Donc on ne peut pas se baser sur le passé de quelqu'un pour l'insulter, le baser quelqu'un pour le briser, pour le gagner. Mais il faut voir l'œuvre qui pose maintenant. C'est ce qui compte. L'œuvre qui pose maintenant, d'après tout, en dehors de l'Esprit de Dieu qui l'habite, il est un homme. Donc tout homme est pécheur. Donc c'est pour dire aux gens que d'arrêter tout le commérage là, mais plutôt de le soutenir dans ce qu'il fait, de faire avancer l'œuvre
afin que le royaume de Satan soit dépeuplé, pour que tous ces gens reviennent à Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous demandons. Et quoi que c'est le combat qu'il est en train de mener maintenant. Alors nous demandons à tout le monde de le soutenir, à tout le monde de l'aider, afin que la vision dans laquelle Dieu l'a appelé, elle puisse être grande, comme lui-même l'a prêché la fin des liens. La moisson est grande, il y a peu de lieux. On a besoin de gens. On a besoin de gens pour continuer l'œuvre de Dieu. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on va parler au Seigneur? Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Yeah, 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 yeah. Plus fort, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour la présidente des femmes? Maman Denise, pour la présidente des femmes du ministère de la compassion des âmes MCA. Oui, c'est notre maman, la maman présidente. Non, laissez la place, elle va nous donner, oui, son témoignage. Alléluia. Vis-à-vis du ministère, alléluia. Elles ne sont pas clamées le Seigneur pour soutenir la maman. C'est notre maman. Il faut soutenir la maman. Il faut la soutenir. C'est notre maman, nous tous. Elles ne sont pas clamées pour le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Oui, maman, nous t'écoutons. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes présents ce matin? Amen. Je ne vous sens pas, peuple de Dieu. Je ne vous sens pas. Peuple de Dieu, je ne vous sens pas. D'abord ta mère, c'est trop timide. Amen. Est-ce que tu es présent? Soyez bénis. Shalom à tout le monde. Shalom aux bien-aimés. Shalom à tous les la diaspora du monde entier. Amen. Je me nomme Yahweh Denise. Je suis originaire des Aroko. Mon témoignage sur le prophète Joël Grasso. Un homme digne. Un homme vraiment valable. Je vais apporter quelques propos parce que pour tout ce que je sais de lui. Il faut dire que depuis lors que je l'ai connu, moi personnellement, je n'ai pas eu de déception. Parce que ici, le Seigneur a mandaté d'une connaissance vraiment très, 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 très puissante, que la destruction des œuvres de la société. Il faut dire que pour la première fois, lorsque je l'ai vu à Zaroko, j'ai été vraiment très, 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 très étonné de savoir que Dieu utilise quelqu'un jusqu'à une telle dimension. Et ça m'a poussé et ça m'a amené à être à ses côtés et de l'aider nuit et jour selon vraiment que Dieu allait mettre sur mon cœur. Je le suis avec amour, je le suis avec détermination, avec beaucoup de courage. Amen. J'exhorte mes soeurs et mes frères, ce n'est pas facile de servir l'Éternel, mais vu pour ce que Dieu l'a donné. Nous disions avant, enclavés, oui, et puis dans la société, vraiment, on souffrait. C'est grâce à lui aujourd'hui, lorsque je rentre dans mon village à Zaroko, je n'ai peur d'aucun sorcier. Amen. Que ce soit la puissance d'un sorcier, je me tiens devant lui et je lui donne ce qu'il faut. Donc ici, mon témoignage, c'est pour dire que cet homme, si vous ne pouvez rien faire pour lui, je vous en prie, dans mon exhortation, je vous demande d'arrêter de l'injurer, d'arrêter de dire ce que vous ne savez pas de lui. Parce que depuis lors que je suis ce monsieur, c'est seulement dit à mon niveau, je ne vois rien de mauvais qu'il fait. Amen. Il est au service de Dieu. Amen. Et Jésus l'a mandaté pour nous qui souffrons des yeux de la société. Quand vous êtes venu, il pense que le diable est arrivé dans sa vie. Et que le diable amène sa vie, il doit prendre ce monsieur-là au sérieux. Donc je vous exhorte, il faut qu'on soit autour de lui. S'il a faim, s'il a des besoins, il faut qu'on soit autour de lui pour le soutenir. Amen. Par nos paroles, parce que nous avons dans nos gestes un petit mot d'amour pour dire papa, je t'aime, ça fait lui faire du bien. Amen. Donc je vous exhorte, les frères et sœurs de la diaspora, c'est seulement dit, aujourd'hui Dieu me donne l'occasion. Dieu vous aime. Et depuis lors, il est avec vous là-bas. Nous-mêmes, nous le voulons ici. Mais prenez le bien. Attrapez le bien. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Faites en sorte,
afin que ne puisse manquer de rien. Il nous coûte cher, nous en Côte d'Ivoire ici. Précisément à Zaroko et à Divo, nous l'aimons très fort. Et pour cette raison, on ne peut pas accepter. Moi, personnellement, j'ai pris acte. Je ne peux pas accepter que quoi que ce soit dans l'ombre, qu'on dise mal de ce monsieur. Alors là, tu as touché le cœur d'une femme. Amen. Je demande à Dieu, plus on va le calomnier, plus on va le rejeter, et que le Seigneur davantage le bénisse. Amen. Papa, sois béni. Amen. Papa, sois béni. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on va acclamer plus fort, plus fort, plus fort? Ne laissons pas ton acclamation. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons encore passer le micro à une autre maman. Alléluia. Qui est la vice-présidente des femmes. Alléluia. Alléluia. C'est l'une des mamans de l'église. Alléluia. Elle est l'une des responsables des mamans de l'église. Alléluia. Que je demande aussi d'acclamer très fort le Seigneur Jésus. Elle va nous donner aussi son témoignage. Alléluia. Oui. Gloire à Jésus. Amen. Je vous remercie dans le nom de Jésus. Amen. Shalom la papa. Aujourd'hui, je rends mon témoignage pour le prophète Joël Krasou. Depuis à Zaroko, moi, je suis mariée à Zaroko. Mais ce jour où le prophète est venu à Zaroko, moi, je n'étais pas à Zaroko. Mon fils m'a appelé du village. Il dit, maman, viens, il y a un prophète qui est venu. Il attrape les sorciers. Ce jour-là, je suis quitté au village, je suis venu à Zaroko. Même pour retourner chez moi-même, là, ça ne me donne pas l'envie. Amen. Ça ne me donne pas l'envie de retourner chez moi. Le prophète à Zaroko, le premier coup, je l'ai vu. Il attrapait les sorciers. La fille, c'était sa soeur qu'il avait programmée. Et ce jour, la fille devrait mourir à 3 jours. Et puis le prophète a délivré cette fille. Moi, j'étais à risque. J'étais fille d'honneur à risque. Mais depuis que j'ai vu le prophète dans mes 2 heures, je ne suis plus retournée dans l'église à risque. Je n'ai pas dit qu'il y avait un Dieu là-bas. Hein. Il y a un Dieu à risque. Mais depuis le prophète que je fais là, attraper les sorciers. Il délivre les sorciers, il attrape les sorciers. Dans les églises, les gens ont peur des sorciers. Quand on dit celui des sorciers, les gens disent que non, on ne parle pas de sorciers ici. Mais le prophète, à travers lui, même tu es à la maison avec un enfant, tu sais qu'il est bon ou bien il n'est pas bon. À travers lui, tu es à la maison avec ton mari, tu sais que ton mari est bon ou bien il n'est pas bon. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Oui. Donc ce témoignage que je vais rendre pour le prophète de Joël Krasou, une année on est parti à Briboré. La mère même qui a mis ses enfants au monde. Des gens disent que lui, est-ce que moi-même j'ai accouché mes enfants? Est-ce que je peux les faire du mal? C'est faux. Toi-même qui as accouché tes enfants, là, tu peux les faire du mal. À Briboré, la femme même qui a accouché ses enfants, elle a laissé grandir tous ses enfants. Ses enfants sont devenus grands. Ils sont devenus des intellectuels. Mais chaque année, elle prend un enfant. Chaque année, elle prend un enfant. C'est comme ça sa fille s'est dirigée à Zaroko. Elle a entendu parler du prophète. Et puis elle est venue à Zaroko. Tomber sur le prophète. Le prophète dit, il faut aller, mais je viens. Elle a insisté, et puis nous sommes déplacés, on est parti à Briboré. On est parti à Briboré, on a commencé à chanter, prier, et l'Esprit de Dieu a saisi le prophète Joël Krasou. Et il est parti dans la chambre de la femme, c'est dans ses habits, dans sa valise, qu'elle avait mis un dragon, elle-même dans sa chambre. Donc le jour qu'elle ouvre la valise, elle dit, toi qui es Kwame, tu meurs, Kwame meurt. Toi qui es Kona aujourd'hui, tu vas mourir, Kona meurt. C'est comme ça le prophète il avait délivré cette famille. Donc le prophète il a fait beaucoup de choses. Chacun d'entre nous, ceux qui sont partis et ceux qui sont là, savent ce que le prophète a fait dans leur vie. Eux-mêmes ils sont vivants de ça. C'est plein, ils font. C'est plein, ils font. Si ils sont courants de ça, on dit une veuve là, elle regrette, mais elle ne dit pas. Eux-mêmes ils regrettent, mais ils n'ont pas envie de dire. Voilà. Donc le prophète a fait beaucoup de choses. On est parti à Ofa, on est parti partout. Il a délivré des familles. La femme même là, Ofa même là, elle-même là, elle avait programmé son fils. Oui, et de la maison, on nous est mis au salon, on était couché au salon. La nuit, la femme qui a fait son pipi, elle vient verser son pipi sur nous. Et j'ai dit à mes soeurs, j'ai dit cette femme là, si le prophète vient là, c'est la femme qui va attraper. Les femmes là disent, mais pourquoi tu te dis, vous allez voir. Et effectivement, quand le prophète est venu, il a attrapé la femme. Et la maison était délivrée. Qu'est-ce que le prophète n'a pas fait pour des familles? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a fait beaucoup de choses. Nous-mêmes, on le témoigne, il est bien.
Mais au niveau des gens maintenant qui parlent de lui, lui, un homme de Dieu, il est toujours persécuté. Moi, j'ai dit aujourd'hui au prophète que ne faut même pas qu'il va regarder tous ceux qui sont de Dieu. Amen. Il ne faut même pas qu'il va regarder ça. Si pour nous, on est là, si les gens sont partis, nous, on est là. On dit si quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ceux qui sont partis, là. Dans son champ de manioc, et puis elle a trouvé une valise. La valise qu'elle a eue, elle est venue poser des seins avec sa camarade. Elle a ouvert la valise, elle a vu qu'il y avait de l'or dans la valise. Mais elle a posé des seins avec sa camarade. Elle dit, quand je suis partie dans mon champ de manioc là, j'ai vu une valise. Sa camarade dit, tiens, et puis tu n'as pas pris la valise là. Elle dit, non. Sa camarade s'est levée, elle s'est dirigée dans le champ. Et puis elle a récupéré la valise. Au moment d'arriver dans la valise là, tout était plein de or. Mais quand elle a amené la valise à la maison, elle a appelé des gens pour venir voir dans la valise là. Tout ce qui était dans la valise était devenu serpent. Voilà. Donc elle a pris la valise, elle est partie remettre ça dans le champ. La femme est repartie encore dans le champ, elle voit la valise encore. Tout ce qui était serpent est devenu or. On dit bon, la valise là c'est pour toi. C'est à cause de ça, quand on prend la valise, c'est serpent. Et si la valise retourne contre toi, c'est devenu or. Donc prends ta valise. Donc le prophète là, c'est pour nous, il est pour nous. Alléluia. Il est pour nous. Il est pour nous. Ça veut dire que quand il le voit en mal, s'il était pour eux, là, ils allaient le voir en bien. Mais quand il n'est pas pour eux, c'est parce qu'il le voit en bien. Alléluia. Aujourd'hui, je rends gloire à Jésus pour tout ce que le prophète a fait dans ma vie. C'est à cause de lui, nous, on s'est prié. C'est à cause de lui, on s'en déprogramme. C'est à cause de lui, tu regardes quelqu'un, tu sais que tu es bien ou bien tu n'es pas bien. Donc je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait pour lui. En Europe, il est là. Nous aussi, on a envie de le voir maintenant. On dit à maman de bien l'attraper. Parce que nous sommes jaloux. On est jaloux. On ne veut pas que sa tête ne va lui faire mal. Donc on ne va pas nous plaindre. Donc je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait pour lui. Que l'église de Paris n'est qu'à grandir. Que après Paris, on n'est qu'à aller mettre une église à quelque part. Quoi. Mais avant ça, il faut qu'il vienne nous voir encore d'abord. Que mon tête est peu et puis va retourner. Merci. Gloire à Jésus. On se fait parler au Seigneur. On se fait parler plus fort au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Après ta vie, la vie est si bon. Alléluia. Alléluia. Et aussi la tout petit Simon aussi, rend un témoignage digne à la gloire de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur parce que à Pénuel, c'est des miracles. À Pénuel, c'est des guérisons. À Pénuel, c'est des délivrances. À Pénuel, c'est des grands signes qui se produisent dans nos vies ici. On ne suit pas le prophète parce que nous a la paix des lavages de cerveau. Mais on suit le prophète parce que nous avons vu la main de Dieu intervenir pendant ses prières. Nous avons vu la main de Dieu. C'est pourquoi nous suivons le prophète. Nous suivons le prophète parce que nous voyons Dieu à travers lui. Parce que Dieu l'utilise pour nous guérir. Parce que Dieu l'utilise pour nous faire du bien. C'est pourquoi nous suivons le prophète. Vraiment que le Seigneur vous bénisse les mamans, vous qui venez de donner votre témoignage. En tout cas, que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur Jésus. Nous sommes toujours. Et nous serons toujours derrière le prophète parce qu'en lui, nous voyons le Seigneur opérer, nous voyons notre Dieu. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, les enfants aussi vont intervenir. Ils vont aussi, nous avons 6 enfants qui vont aussi donner des témoignages, qui vont parler à la gloire de Jésus. Ils vont dire ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils vont dire ce, les merveilles de Jésus dans leur vie. Alléluia. Donc, on passe le micro aux enfants. Comme ça, ils vont donner leur témoignage. Je me nomme Bogatina Trifek. Merci. À l'orphelinat de la Fondation Prophète Joël Crasso. Ce matin, je veux rendre mon témoignage. J'étais initiée à la sorcellerie par ma grand-mère. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le camp de prière du prophète Joël Crasso. Et par son ministère, j'ai été délivrée. Le prophète m'a envoyée à l'orphelinat. Il m'a scolarisé, il me nourrit, je mange,
j'ai mon lit, je dors sous ventateur. Ce matin, je veux dire merci au prophète. Parce que c'est à cause du prophète qu'aujourd'hui, mon papa là me regarde les vidéos et puis il reconnaît que c'est sa fille. Sinon, avant, mon papa ne me reconnaissait pas. Je veux lui dire merci. Parce que grâce au prophète aujourd'hui, je vais à l'école. Grâce au prophète aujourd'hui, je suis parmi les meilleurs, parmi les premiers. C'est le prophète qui a permis qu'aujourd'hui, je sois là devant tout le monde. Je sois une personne qu'aussi, on peut appeler l'homme, on peut appeler l'enfant. Le prophète, il fait les grandes choses dans notre vie à la fondation. Tous ceux qui disent que le prophète fait les mauvaises choses, le prophète c'est la magie. Ce matin, je lance un appel pour vous dire, vous vous trompez, parce que le prophète, c'est un homme de cœur. C'est un homme, en tout cas, qui a un grand cœur, qui a de l'amour, qui a de l'affection pour tout le monde. Et il est là pour accueillir tout le monde avec bras ouverts. Bonjour, chère maman, bonjour, cher papa. Je me nomme Nyebeni Nyazale Anesté. J'ai été initiée à la sorcellerie par mon père à l'âge de 2 ans. C'est ainsi que ma mère et moi avons parcouru tous les camps de prière jusqu'à ce que nous puissions trouver le ministère du prophète Joël Grasso. Et c'est par son ministère et par Jésus-Christ que j'ai été délivrée de la sorcellerie. Et c'est ainsi qu'il m'a recrutée dans son orphelinat, l'orphelinat du prophète Joël Grasso Espoir de Vie. Et c'est là-bas que je suis. Je mange bien. Je dors bien. C'est-à-dire, tout ce que je faisais avant, je ne le fais plus. Ma vie a changé grâce à son ministère. Donc, je veux vraiment remercier le Seigneur. Que vraiment Dieu même étende sa main protectrice sur sa vie. Qu'il lui donne toujours la force. Qu'il lui donne toujours, il double son onction afin qu'il puisse toujours faire son ministère, d'envoyer des âmes à lui. Et que Dieu même ferme la bouche de ses ennemis. Je vous remercie. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on va acclamer plus fort le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Oui, je viens aussi te présenter un homme de Dieu aussi qui va aussi donner son témoignage. Alléluia. Le pasteur Serge et le chien, je te demande d'acclamer très très fort. Encore l'homme de Dieu, le Seigneur de Dieu, le couloir de Dieu qui va encore et encore, qui va dire encore quelque chose au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Salut ce matin tout dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom à tout le monde. Je n'ai pas assez de grand chose à dire ce matin. C'est tout simplement dit que ce ministère est un grand ministère. Parce que le prophète Joël Grasso a beaucoup fait. Mais Dieu a tellement utilisé son serviteur. Je vais rendre quelques témoignages des passages où le prophète a passé. Lorsque moi j'ai fait personnellement, nous sommes rencontrés. Pour certains qui ne connaissent pas cette ville, la région de Soubré, c'est à Soubré. Oui, à Soubré. Le prophète, Dieu a utilisé le prophète pour délivrer des villages. Et à Soubré, aujourd'hui, il y a un village qu'on appelait Grébo 2. Je l'ai dit que ce village-là n'avait pas de route, n'avait pas d'école. Mais après son passage dans ce village, l'État a construit 12 classes sans que les villageois, les gens de ce village ne payent 5 francs. L'État a construit 12 classes, 12 logements gratuitement. Et aujourd'hui, la voie, parce que la nuit, ce qui passe là-bas, les véhicules vont matin, midi, soir. Le village qu'on appelle Grébo 1, ce village, c'était un village qui était enclavé. Quand le prophète est arrivé dans ce village, ce village déjà adorait une forêt sacrée. Dès son arrivée dans ce village, la première des choses qu'il a fait, il a détruit la poudrière. Il a dit, cette forêt que les gens adoraient, il allait abattre l'arbre. Dans ce table-là, il y avait un esprit. C'était un combat farouche, c'était un grand combat. Si le prophète n'était pas de Dieu, je vous l'assure, peut-être que vous qui l'avez connu, vous n'allez pas le connaître. Même moi, parce que avant que moi je me rencontre, il a passé un peu partout. Donc ce matin, je me l'ai dit aux frères et sœurs, au monde entier, à ceux qui pensent que le prophète Joël Grasso n'est pas l'homme de Dieu, ils n'ont qu'à arrêter. Parce que les preuves sont là, il n'est pas caché. Tout ce qu'il fait est mis à nu. Tout ce qu'il fait est toujours clair. Il ne s'est jamais caché pour faire son travail. La preuve est que depuis que nous sommes arrivés dans la région de Divo, nous avons commencé d'avoir Zaroko. Il y a une sœur de Zaroko qui vient de rendre le témoignage. Dans ce village où il y avait la sorcellerie,
il n'y avait pas d'eau potable. Il n'y avait pas d'eau. Le prophète a prophétisé qu'il y aura l'eau dans ce village. Une semaine après, la société minière a envoyé l'eau. Aujourd'hui, il y a un château d'eau dans ce village. Le dispensaire de ce village était fermé depuis 1995. Il y avait un cardinal mystique dans ce dispensaire à Zaroko. L'onction de Dieu a servi son serviteur et le prophète a déterré le cardinal mystique de ce dispensaire. Aujourd'hui, je vous parle à Zaroko, le dispensaire est opérationnel. Amen. Nous sommes depuis 2015. Nous sommes à Divo. Ce n'est pas moi qui vais donner ce témoignage. Le président même vient de le dire. Venez voir Divo. Divo est en chantier. Ce ministère a eu un impact et continue d'avoir un impact sur le monde. Je l'ai dit dans une vidéo que c'est au travers de ce ministère que nous avons connu comment les sorciers pratiquent, comment ils opèrent. Donc moi je rends gloire à Dieu et je toujours merci à Dieu et à son serviteur le prophète Joël Grasso. Parce que c'est au travers de ce ministère personnellement que moi j'ai appris beaucoup de choses. Au travers du ministère et du prophète Joël Grasso, j'ai appris beaucoup de choses. Je sais aujourd'hui comment le sorcier, il peut détruire la vie de quelqu'un et comment l'amener dans le Seigneur. Donc je dis merci à Dieu. Voici la preuve. Les enfants viennent de rendre un témoignage. Ces enfants qui ne sont pas ses enfants. Moi-même, ma fille, elle est là. Elle est à l'orphelinat. C'est le prophète qui s'occupe d'elle. C'est le prophète qui la scolarise. Ma propre fille, ça va se casser là-bas. C'est le prophète qui s'occupe d'elle. C'est lui qui la nuit. C'est lui qui fait tout pour elle. Alors, cet homme-là, c'est un grand. C'est un monsieur qu'il faut aider. C'est un monsieur qu'il faut soutenir. Ce n'est pas un homme qu'il faut suspendre. Ce n'est pas un homme qu'on peut attribuer n'importe quelle parole. Alors ce matin, je n'ai pas grand-chose à dire. Nous sommes à Divo, au centre Pénière. Je rends gloire à Dieu. Moi, personne ne pourra jamais me distraire. Je le dis toujours. Personne ne peut me distraire. Personne ne pourra venir m'acheter pour dire si c'est la vie de la personne. Parce que je sais ce que le prophète Joël Grasso a apporté dans ma vie. Amen. Je le sais. Alors donc je dis merci à Dieu et longue vie à son serviteur. Je suis de tout cœur avec lui. Je ne le lâcherai jamais et jamais. Je le suivrai jusqu'à ce que Dieu nous sépare. C'est Dieu. Je vais dire la mort. Je vais dire la mort. Je vais parler de la mort. Voilà. C'est la mort seule qui peut me séparer du prophète Joël Grasso. Seule la mort. À part la mort, il n'y a personne sur la terre ici. Personne. Alors shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on va parler plus fort le Seigneur Jésus? Amen. Alléluia. Pour terminer, moi-même je suis devant vous. Alléluia. Je me nomme l'évangéliste Joël. Alléluia. Je suis aussi un témoignage vivant de la gloire de Dieu par le canal du prophète Joël Grasso. Alléluia. Pendant que moi je croisais le prophète, ce n'était pas Divo ici. Alléluia. Amen. C'était à Zaroko. Dis à quelqu'un à Zaroko. À Zaroko. Voilà, c'est là-bas que j'ai connu le prophète. Alléluia. Amen. Et quand je partais voir le prophète, je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais pas marcher d'ici où se trouve le président sans m'asseoir un peu, sans me reposer. Alléluia. Amen. Parce que j'ai tout fait. J'étais malade. Très malade. Au point où je ne pensais plus que j'allais vivre. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai délié. Un élève de terminale. Mais quand j'attrapais le bic, j'ai tremblé de délire. Amen. Alléluia. J'étais presque mort. Alléluia. De telle enseigne que même quand je suis arrivé dans le village, il y a des personnes que tu trouves dans le village, tu les vois, tu dis, ah maman, je suis venu prier chez le prophète. Je suis venu de temps en temps auprès de toi. Les gens avaient peur. Ils se retiraient. Alléluia. De peur que je ne devienne cadavre dans leurs mains. Alléluia. Pas seulement le prophète dormait à Divo et il partait prier le week-end à Zaroko. Donc je suis arrivé un lundi. Et les pasteurs m'ont encouragé. Non, mon petit, prends courage.
tu ne vas pas mourir. Dieu va, Dieu, si le prophète vient, il va prier pour toi. Mais moi, je n'espérais plus à la vie. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Alléluia. En plus de cela, j'étais là, et j'attendais patiemment le prophète. C'est pourquoi si tu viens, si tu es ici, sois patient. Alléluia. J'attendais patiemment le prophète. Les jours, je comptais les jours. Et le jour, le prophète m'a vu. Il m'a dit, mon petit, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Amen. Il dit, tu ne vas pas mourir. Amen. Amen. Moi, j'étais là, j'ai dit, bon, comment ça va se passer? Je ne sais pas, mais comme il a dit, je vais voir. Alléluia. Il a prié pour moi. Moi, je pensais que peut-être il y a quelque chose derrière. Non, c'est la prière. Il a posé les mains, il a prié. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Amen. Je vous dis, je n'arrivais pas à dormir. C'est comme un courant qui entrait en moi. Et quand ça entre en moi, ma respiration se coupe. Et puis je tremblais sur moi-même. Alléluia. Pendant un bon moment, avant que je me ressaisisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Tout simplement parce que dans ma famille, les hommes forts ont vu que demain j'allais devenir quelqu'un. Donc il fallait me détruire. Ils ont, mes parents sont morts. Alléluia. Ils ont tué papa, ils ont tué maman. Et dans la famille, les parents. Le problème d'héritage, pourtant moi j'étais élève encore, j'étais petit. Alléluia. Mais eux voulaient forcément me tuer. Parce que c'est moi qui partais à l'école. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est en cela que le prophète a prié pour moi. J'ai été guéri de façon miraculeuse. Je dors, moi qui ne dormais pas bien. Quand je voyais le prophète, je dis, est-ce que je vais dormir? Mais je dors jusqu'à on sent me réveiller. Alléluia. Et, est-ce que tu vas acclamer Jésus? Je dors. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Ceux qui me connaissaient à Zaroko, quand je suis venu ici et que j'ai commencé à diriger la prière, à faire la prière de tonnerre, ceux qui m'avaient vu malade, ils sont venus m'ont vu, ils n'ont pas cru. Ils ont dit, excuse-moi, hein, tu ressembles à un jeune. J'ai dit qu'un jeune. Chez le prophète là-bas, il y a un jeune qui était malade. Si tu le vois même là, on dirait pas. En tout cas, personne ne croit qu'il va vivre. Tu le ressembles. Est-ce que c'est pas toi? J'ai dit, c'est moi. Tu es puissant. Alléluia. Ils ont dit, Jésus est puissant. Ils ont même annoncé mon funérail dans ma famille là-bas que je suis mort. Alléluia. Pendant que je passe dans cette vie de Dieu, il y a des gens je crois qui me connaissent très bien. Ils me voient, ils disent, toi tu es en vie. Non, c'est que ton Dieu est puissant. Dieu que tu pries là, il est vivant. Alléluia. Gloire à Jésus. Et tout ça, Dieu, c'est Dieu qui est passé par le canal du prophète Joël Crasso pour me guérir. Alléluia. Et quand il a prié pour moi, il a dit, tu vas servir Dieu. Mais tout ce qu'il disait là, je ne désespère plus à tout ça. Alléluia. Parce que je me voyais que c'était fini pour moi. Amen. Mais aujourd'hui que je vous parle, j'ai le micro et je suis en train de servir le Seigneur Jésus. Et je suis en train de faire la joie du Seigneur. Je suis en train de louer le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur est puissant. Alléluia. Et il utilise son serviteur pour faire des grands signes, pour opérer des miracles. Si tu m'entends, n'écoute pas les gens. Si tu m'entends, n'écoute pas les gens parce que c'est ce que j'ai vu. J'ai vécu que je te raconte. Alléluia. Sans plus, sans parler des témoignages que nous-mêmes avons vécu vis-à-vis depuis que le prophète était ici. Alléluia. Les sorciers qui ont été dévoilés. Alléluia. Les gens qui étaient malades, qui étaient enflés. Alléluia. Pour qui le prophète a prié et ces personnes ont été guéries. Beaucoup d'une seule nuit. Il y avait un jeune frère qui était venu ici, qui était médecin. Il est allé dans son service. Ils sont allés à une réunion. Maintenant, ils ont goûté un repas et on lui a donné. Alléluia. Le repas qu'ils ont envoûté pour lui donner, ce n'était pas destiné à lui de l'envoûter. Alléluia. Ce n'était pas lui, mais c'était une autre personne. Et puis, l'envoûtement s'est tombé sur lui. Et depuis ce jour, il avait un mal de ventre très terrible. Il ne pouvait pas travailler. Et son argent ne restait pas. Malgré qu'il était dans la médecine, il travaillait dans la médecine, mais ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas s'en sortir. Alléluia. Il est venu voir le prophète. C'était devant nous ici. Et le prophète, une que les gens disent que le prophète va boire une aux gens, c'est même une là, le prophète a pris. Une bouteille d'huile, il dit qu'il faut boire. Mais aujourd'hui, tu vas voir ce qui va sortir de toi. Alléluia. Et le jeune frère a bu l'huile. On était ici, c'était au camp ici. Le prophète, le jeune frère a dormi ici avec nous. Il a bu l'huile. Quand il a dormi, le lendemain, il s'est réveillé. Le lendemain, vers minuit, on a dormi vers minuit. Le jeune frère ne pouvait plus dormir. Son ventre a commencé encore à lui faire très mal. Il a vomi des choses noires. Des boules noires. Beaucoup. Alléluia. Suivi de mort. Des choses pas possibles. Et depuis ce jour, le jeune frère a été guéri. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de témoignages, il y en a beaucoup. Ceux, que, ceux par qui Dieu est passé pour opérer, dans leur, tous ceux par qui Dieu est passé par le prophète pour opérer dans leur vie. S'ils veulent venir, s'ils pourront témoignage, bien aimé, on ne pourra pas finir de parler. Une journée ne suffit pas. Une journée ne suffit pas. Depuis Zaroko, ça fait des années que Dieu opère par le canal de son serviteur. Bien aimé, il ne faut pas écouter les gens. Alléluia. Il ne faut pas écouter les gens. Parce qu'il y a un adage qui dit que les chiens aboient et la caravane passe. Amen. Alléluia. Avançons avec le prophète. N'écoutez pas les gens. Suivons la vision que Dieu lui a donnée. Alléluia. C'est sur ce, c'est là que nous allons nous arrêter. Nous allons bénir le Seigneur ensemble. Parce que Dieu a fait beaucoup de choses dans le cadre de ce ministère. On va acclamer le Seigneur. Plus fort, 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 plus fort. Il est la bonne amérie, ni où la Jésus que vous ni où la la bonne amérie, ni où la prophète la que vous ni où la la bonne amérie, ni où la et nous allons nous séparer dans le nom de Jésus. Amen. Nous te rendons toute la gloire. Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as béni ce moment. Depuis Paris, nous sommes avec Dieu en connexion avec notre Père, ton serviteur, le prophète Joël Crasseau, ainsi que le monde entier. Seigneur, ce culte a été sous ta supervision. Jésus, de son début jusqu'à la fin, Seigneur, de l'orateur. Merci pour ce message qui a été véhiculé par ton serviteur. Merci pour les cœurs. Merci pour ce témoignage à la cour de ce ministère. Oui, Seigneur, tu as utilisé ton serviteur à nous éclairer. Oh, merci Dieu pour ta puissante main. Seigneur, la Bible déclare que une heure dans tes parvis veut que mille à l'heure. Jésus, c'est le moment de nous séparer de toi, mais en esprit uni. Notre Dieu, merci pour ces bénévoles. Conduis chacun d'entre nous dans sa demeure. Nous te recommandons cette première semaine de ce deuxième mois. Seigneur, que cette semaine nous apporte bonheur, que le malheur s'éloigne de nos maisons. Seigneur, sois avec nous, guide-nous. Seigneur, protège ton serviteur, le prophète Joël Crasseau, depuis l'Europe, la Russie, de tout éternel. Renouvelle chaque jour ses forces, fortifie-le éternel. C'est à nous à la victoire. Parce que David dit, c'est à l'éternel qu'apporte la victoire. Donc c'est à ton serviteur. Le prophète Joël Crasseau qui a apporté la victoire. La victoire nous a apporté dans ce combat. Seigneur, bénis-le, sécurise sa vie. Bénis son culte tout à l'heure. Il y aura un grand culte. Seigneur, oh Dieu, manifeste ta puissance dans ce culte. Merci d'avoir béni ce culte de ce dimanche. À toi l'honneur, à toi la grandeur. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.